Les Nunchucks sont à la main. J'espère qu'il y a encore assez de piles. On verra bien. La manette fait du bruit. Et de la pipe. Est-ce qu'on m'entend quand je suis si loin du micro ou pas? Parce que du coup, en fait, je peux pas être à côté du micro. Parce que si je suis à côté du micro, je peux plus jouer avec les Nunchucks. Et si le micro est là, je peux pas en jouer non plus. C'est génial. Je sens mon syndrome du canal carpien qui se réveille. Allez, 1 mm! Ah! À ça!
Pa la pa la pa pa pa, putain la main quoi. Ça, c'est pas des manettes de jeu, les gars. Palapapin, palapin. Plus que trois. On avait quasiment tout fait, hein, putain. Si on n'est pas sur une route de la qualité, je vois pas ce qu'on a. C'est un vrai problème à la manette.
C'est dingue, hein? C'est dingue, mais... J'ai pas une seule fois réussi à lire où était le laser. Hein. Elle est où l'étoile verte? Non, parce qu'en vrai, je l'ai déjà trouvé celle-là, moi.
Oui, mais c'est la même étoile, donc ça me rapporte rien. Si je trouve pas l'étoile verte, ça sert à rien. Il me faut une étoile verte. Alors que là, par exemple, j'ai trouvé que la verte, j'ai pas trouvé la normale. La forteresse flottante. Fallait peut-être monter. Je crois que moi j'étais tombé dans l'eau, direct. C'est là où on va galérer. Et je comprends que les fans hardcore de Mario kiffent ce jeu. Quand tu allies gameplay au micron et manette pourrie, bah t'as un défi qui est totalement basé. Thank you.
Plus que 2 étoiles. Enfin, tu me feras pas oublier quand même que c'est pas un gameplay normal de devoir se secouer les mains comme ça et d'avoir mal au poignet. J'ai plus autant fait ça depuis mon adolescence. Blague de merde. Qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il est stylé quand même.